Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Media nan la, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Media nan. Et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Media nan la. Bien, nous va perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Je suis très content que notre amiral qui dirige la garde-côte de District 7 de Miami est ici pour surveiller les opérations de son équipe. Ils ont fait des évacuations sanitaires depuis dimanche de 168 Haïtiens du Grand Sud qui étaient blessés. Et on va voir le va-et-vient des hélicos de la garde-côte américaine ici toute la journée. Good afternoon, I'm Michelle Sisson, the U.S. Ambassador here in Haiti, and I could not be more proud of the whole of U.S. government response to the earthquake that occurred last Saturday. Of course, with USAID in the lead, supported by the U.S. Coast Guard, by CBP, by our Department of Defense, as we work to get assistance to the most vulnerable Haitian victims of the earthquake, not only from Saturday's event, but also from the numerous aftershocks which have continued to impact the southern region, further weakening infrastructure, the after effects of Tropical Depression Grace. We are here with Rear Admiral McPherson. Really proud of the work that our team at the U.S. Embassy in Port-au-Prince has done since the weekend, medically evacuating Haitian victims of the earthquake to this airport so that they can be treated with critical care. The effort is deeply appreciated by the Haitian people and the Haitian government. I am in frequent contact with Prime Minister Ariel Henry and the director of the Haitian Civil Protection Directorate, Dr. Jerry Chandler, their FEMA equivalent, so that we make sure that what we're bringing in terms of assistance is what is most needed in terms of health, water and sanitation, shelter, and these medical evacuations. I'd like to turn it over to the Admiral Tim and John Pretty from CBP. Thank you. The Disaster Assistance Response Team Lead for USAID. I would like to first offer condolences to the people of Haiti for the tragedy that's occurred. People who have passed, people who have been injured. I'd like to sincerely thank Admiral McPherson and the Coast Guard for their heroic work. And that's what it is, their work to save lives. I've seen them work in other emergencies in my 20 years overseas, and I've seen it in this emergency as well. I'd also like to thank our colleagues from U.S. Southern Command, Department of Defense, also obviously the ambassador and her team here. Our focus is humanitarian assistance. And the ambassador just mentioned, everything we do is coordinated with the government of Haiti's civil protection, Dr. Chandler. Obviously, our focus right now are what are the key issues. So the key issues right after the emergency, urban search and rescue, food assistance, health, water sanitation, hygiene, logistics, transportation. So that's what our focus will be. We have an urban search and rescue team from Fairfax County Fire Department. We're working with the World Food Program. We've recently moved over 110 metric tons of food to the affected areas. We had staff on the ground on Saturday assessing, working with civil protection. We also had pre-positioned stocks of food and non-food. So things like plastic sheeting, hygiene kits, jerry cans for safe drinking water. So our effort will be continuing to work with the non-government organizations, the NGOs who are on the ground, the World Food Program and the UN system. But again, once the needs have been identified, trying to get material out to the affected communities as closely as we can. Again, the efforts of the Coast Guard to help us do that, the efforts of our colleagues from DOD is critical. So again, we're totally focused on coordinating the U.S. government efforts, working with all our colleagues, the ambassador and the team here. But again, you know, issues to save lives and alleviate suffering are the top two priorities of our team as we go forward. Thank you very much. Ms. Rear Admiral Brendan McPherson, I'm the Coast Guard 7th District Commander.
headquartered in Miami, Florida. Let me begin by saying that on behalf of all the men and women of the U.S. Coast Guard, we send our condolences to the Haitian community here in Haiti as well as back in South Florida for those who have lost loved ones or those who are injured. The Coast Guard immediately responded to the call for assistance from the government of Haiti by sending ships and aircraft into the region. We've been conducting search and rescue and medevac operations since last week. We continue to do that today at a pretty steady pace. I came down from Miami today aboard the aircraft you see behind me, bringing additional air crews as we continue to sustain our operations. We're also bringing additional aircraft and ships to the area to support USAID as the lead federal agency. Madam Ambassador, thank you for your leadership and your support for the U.S. Coast Guard as we bring our folks in. This is a very challenging operation for U.S. Coast Guard men and women, but they are specially trained to deal with these types of crises. We have some of the best pilots in the world, and they are continuing to do all that they can to save lives. I would also want to note that the U.S. Coast Guard is really just one small but important part of a much broader U.S. government response led by USAID in support of the government of Haiti, and closely in coordination with our DOD partners from U.S. Southern Command and Joint Task Force Haiti. So with that, let me introduce Mr. John Pretty, who is the Director of Customs and Border Protection Southeast. I see you from Team Robican Disaster Response. So, yes, sir. Yeah. First of all, what can you say when you arrive in Haiti? Just that, so far actually, the experience I've had with the people that I've met so far has been pretty awesome. The Haitian people have been very welcoming to us coming in here. It's been interesting to see, and I haven't exactly gone down to La Caye yet to be able to see how the actual situation is on the ground. So once I get there, I'll be able to see. But it's been very nice to come in and have a welcoming presence with the people here so that we can get down there and try to render aid where needed. Oh, okay. So can you say about Team Robican Disaster Response? Yeah. What is it? So we're a volunteer organization made up of people around the world. Canada, Australia, Europe, Africa, the United Kingdom, America, of just people that are volunteers in a number of different professions, either in the medical field or in a logistical area, supplies. And what we do is during any type of a disaster like this, we get as many volunteers as we can to get down to the affected area so we can see what's going on, see what help is needed and where, and do the best that we can to provide that assistance to these people that have experienced something extremely traumatic in their life that is life-changing. And it breaks our hearts to see this. And so what we can do to try to get down here and alleviate some of that in whatever ways we can is something that we try to do. Mm-hmm. We're usually on the ground anywhere from a few weeks to a few months, depending on what we can do, because since we are a volunteer organization, everything's run through donations. And so we try to get here and stay as long as we can to be able to help as many people as we can. 110 ans côté l'hôpital là destiné pour tout ça l'a fait pour le mettre au service du grand public. Donc nous pas voulu quitter période ça passé inaperçu, nous te voulu marquer, faire quelques choses pour marquer et période ça. Donc 110 ans c'est pas 110 jours et nous connaissons tout soubresaut, tout tumulte que le pays a connu. Et particulièrement ces derniers temps. Donc il se trouve que l'hôpital là, malgré toutes les difficultés, ça a réussi Kembe, même si c'est difficilement. Donc nous voulons célébrer ça par des événements et particuliers. Oh, avec un sentiment de tristesse, hein, et pas dit des puissances, puisque nous l'avons toujours dans le combat, mais c'est avec un sentiment de
de tristesse pour nous voir tout effort qu'a fait et malgré tout, au peu qu'on a eu un résultat que nous avons. Donc, ça a incité nous, demander plus d'aide de toutes parts. Hein, et présence de la presse là, c'est une, par exemple. Nous avons cherché un bagage, permettre que la population haïtienne, l'Elvini, dans le milieu ça, joue une salle besoin en termes de prestations de soins. Aujourd'hui, là, nous avons toujours les activités ordinaires, c'est-à-dire consultations que nous faisons à moitié prix. Nous avons d'autres dispositifs que nous mettons là, par exemple des présences psychologues, des présences infirmières pour prendre un suivi, n'importe qui qui passé comme ça. Et ça, ce n'est pas des barrières qui ponctuelles, qui l'a seulement pour journée, mais qui a prêté définitivement dans l'hôpital là, c'est-à-dire n'importe qui dans le monde qui a passé. Aux environs de l'hôpital, qui t'a un malaise quelconque, ou bien qui t'a juste besoin qu'on ait, comment tension voyez, comment poids voyez. Il n'y a pas qu'à passer l'hôpital là et faire ça gratis. L'hôpital là, tu as gagné autrefois, les pattes ont tout problème, ça tu as gagné toute une série de services qui, avec le temps, tu es venu pattes là encore. Mais qu'avec l'occasion, sans dire ça, nous ne pas le mettre sous pied, tant que dentisterie. Hein? Nous pas remettre sous pied service dentisterie, nous mettre sous pied service de dermatologie, des soins dermatologiques, et nous pas mettre nos soins psychologiques, assistance psychologique. Donc tout ça, c'est fait partie de nouveautés que nous avons mettre, et pas de façon tant comme nous la ponctuelle, pas occasionnelle, mais de façon définitive. Au terme, c'est utiliser les apports de tous pour le bien public. On va faire comme là, nous, comme vous l'avez dit. Comme l'avez dit, on va faire comme pour acheter. Nous obligeons, on va faire dans l'arrière. On m'a mis des bimes pour dire qu'il y avait la vente. Juste là, on ne peut pas faire me sortir. On va s'empiler de mise des sommes. Si côté nous convient, ma chaîne passe bonheur, on met manger, on va faire vendre. Oh, oui, il va croire que sous moi, on va faire vendre, même pas dire, on va me dire mal. Et dans l'arrière, ma baille dans l'arrière. Hein, allez, que. Dis, allez, qu'il me dit, on va chaque jour. Oui, chaque jour, il me fait, oui. Oui. Mais est-ce que les clients ont toujours acheté Non, il y a des clients au début, ils sont souffert, ils achètent dans mon nom, depuis les légumes, ils ont pour moi. Mais vous faites pour chaque jour? Oui. Mais c'est quand qu'il a levé pour manger ça? Qu'il a compris dans l'arrière, qu'il a rendu? 4h du matin. 4h pour 6h, pour 6h. Il y a 5 timons. Non, pour qu'on finisse l'école, on est mon seul capoué, il n'y a pas de Ma bata avec eux. Tout le bagaille est tout. Il y a des gens qui parlent même faire la vie. Ils passent des bonnes et elles baillent manger. Moi, je ne vais pas vendre. Il y a un pile de terre. Il n'y a pas de 11 ans. Il n'y a pas de 21 années dans le commerce là. 21 années? Oui. C'est plus combien de bagailles à l'issue avec eux? Rien. Pour tout le monde manger. Pour payer caille pour être. Non. Au plus, je ne vais pas acheter. Il y a des gens qui baillent manger. Mais c'est un malade ça pour me faire pour m'aider. Je fais tout route net pour monter champ de masse pour me passer là pour rentrer là. Et voilà, elle a me posé aujourd'hui à là. Pour 30 dollars, pour 25 dollars, pour 20 dollars, 15 dollars. Oui, valeur qui est obligé, via dit, obligé par trois kembe avec mon nom, gendele la rue bloquée, ou ta bloquée, nous pas qu'à vendre. Avec ça, mon nom vient, obligé de balle pour nous sauver mon socob. Parfois, je mette 4, je mette un petit sac tout, je mette demi mamit sous lit, si pas gagne à faire. Quoi, depuis mon temps de grève, ou bien la rue bloquée, ou bien bagage, je vais couper 3 mamit pour pas être là même, trop. Chaque jour, coup de quantité, c'est selon Jean Laria, bah ouais. Mes clients, ils ont même mangé par rapport à Jean Fella. Parfois, nous-mêmes qui faisons manger là, nous ne servons pas avec un cochon. Nous mettons morine, nous mettons puce, nous mettons chalotte. Nous mettons l'autre gros produit là-dedans. J'ai 18 ans. Oui, j'ai 5 personnes là-dedans. Bon, ici, je me dégage. Je me suis chaud. Nous avons couru à le cacher. Nous retournons là-dedans encore. Marché Gossac dit à 415 là. Vous faites quoi pour dire à moi, pas faire quoi pour qu'il me l'en Ou fait quoi pour acheter, mais on va faire bénéfice pour qu'on mette en main. Parce qu'on est debout à Friba, et quoi manger, on doit même tirer, on doit même manquer l'argent manger à même. Mais là, on vend
quelqu'un en boîte $30, $25. Égal là, on doit finir faire manger ou gagner 1000 gouttes là mais oui, me satisfait depuis où me fait le moment l'argent pas perdu. Puis si mon yo mange égal là bénéfice pas même que te manger. $150, $30 ou bay $30. Mais des fois, il y a des gens qui ne peuvent pas faire de pour $25 ou bay ou la vie a dit. Bah, il n'y a pas facile. Mais quand il y a mangé, pas vendre encore. Ou je commence depuis 18 ans. Quand il y a là, quand est matissant, retirer mes zigou bouche. Pas de gens qui vont manger là. Quand on va vendre nos plates, manger par accident. Vous comprenez ça, je là? Manger pas vendre ici. Je ne vais pas faire comme là. Celle qui petit à vendre, 220. Ti petit bébé a avant 440. M'ba fè kòb la. Parfois c'est ça qui rend moi pas venir vendre encore. M'vini là on lè comme ça, m'konn aller m'fon moi m'ba tourner. Parce que kòb ou met dehors, li pa ka répondre à besoin dépense ou dépenser dans ça vendre là. Kòb la obligé perdre. M'konn va vendre trois manger puis ta là et cadeau fè manger, ba y va ou pa vendre. Anier d'été lancer bataille là. Pays enclenché et la liberté. Peigné, ça nous est nous entre la dénonciation zone historique que lié. Mais c'était non seulement le sous plan politique, le grand importance, mais sous plan, nous avons dit, pour manger dans le pays, le monde qui connaît Peigné, tape d'eau, c'est ton grenier que nous avons pour au presse. Ici, de la côté de fait interview là, c'était quand qui était là. Bataille Peigné, elle était faite dans le sens pour une liberté totale, liberté dans le non. Nous même pas de manger, nous avons tellement de manger, nous sommes capables de bailler l'autre côté manger. Nous avons tellement de viande avec l'aide pour nous utiliser, nous sommes capables non seulement nous même manger, satisfaire les besoins, nous vendre l'autre côté tout. La bataille est faite pour nous capables de la liberté dans la circulation. La haleo, c'était des halles qui étaient propres, c'est clé. Le canal était propre, c'est clé. Mais je veux dire, malheureusement, nous avons perdu fil ça. Peut-être excuse, nous avons demandé à tout le monde qui fait des déplacements vin là pour se boire académie pour rentrer dans le pernier. La boue, l'eau sale, fatra, que vous traversez. Alors nous voulons, je vous dis, reprendre l'idéal, les ancêtres nous qui demandent pour nous vivre dans la propriété, dans le bien-être. Bataille peine, il y a fait, je vous dis, là, pour inviter mon pour nous retourner encore vers l'agriculture. Vous demandez comment? Les cadeaux de toute tête caillou là, capable de vous faire manger encore. C'est vous ne pouvez pas tout caillou encore. Mais chaque petit couloir là, caillou monde, vous êtes capable de mettre un pied cerise, un pied citron. Vous êtes capable de faire élevage en poule là, caillou. Je veux dire, nous vraiment pas trop à l'aise lorsque nous avons gardé pour 11 oreilles cochons, un pied coden pour ces cailles voisines à bourrer plein. Et ça fait nous très mal. Et mon pernier, on l'autre fois encore utilisé VOAM, VOAM, au nom des sources italiennes, pour dire tout le monde dans le département crasé, nous tombons en relevé. Cette fois-ci, agronome là déjà une structure avec planté qui parle retourner aller vers l'autre département ça pour nous apprendre non seulement pour reconstruire comme ingénieur agronome pour reconstruire en l'autre façon mais pour nous encourager tout pour yo kembe autosuffisance alimentaire là la caillou. Je veux dire ouais on go crier pour lait, pour viande, pour sucre, pour œufs, pour diaper, pour toute bagaille. Mais bataille peine c'est une bataille qui te dit faut que nous pas produit pour étrangers encore, c'est pour nous produire pour la caille, non. C'est pour nous satisfaire, vendre, non. Ah ben, nous avons relancé le message pour tout le pays. Retourner vers la terre. Haïti, nous avons étudié son pays qui est essentiellement agricole. On retourne vers la terre. C'est vrai, puis il faut pleine disparaître, la construction anarchique. Mais ça ne veut pas dire que la cour pour ne pas planter des trois petits citrons. Planter le véritable, planter cocoyer, planter les oranges. Pour nous capables au moins de premier ça n'a besoin pour nous manger pour nous gagner dans la cône. Alors bataille Peigné, son invitation qu'on nous lance à tout le monde dernier, Peigné nous caronnettre. Ça ne dépend pas les passés, nous rejoignons encore. Route là, nous rejoignons dans la mobilisation. Est-ce qu'on a été mobilisé pour nous pousser 2 kilomètres dehors? Je veux dire, c'est pour nous mobiliser encore, pour nous tirer sonnette d'alarme là. Dans les oreilles sénateurs, députés, décideurs, pour nous dire nous ne sommes pas capables de vivre dans la boue encore. Nous ne sommes pas capables de mal recevoir l'étranger là nous encore. Nous, on est venus tout choc machine écrasée, est-ce que c'est peigné la béni. Nous voulons offrir l'autre image. Et je veux dire, nous profiter de la 230e bataille là pour nous dire, mon dernier, on nous rend peigné plus vivable.
on nous débarrasser de fatra, on nous monter de ces entreprises dans la caillou pour nous capables de gagner autosuffisance alimentaire là. Les gens qui concernent yo et qui toujours a dit nous que Gekop, nous-mêmes tout nous qu'on a regardé que Gekop qui est disponible dans le budget pour le PNIA et que moi un des sénateurs ou députés désaffectés comme blanc et que pour aller mettre dans l'autre département. Du fait que nous-mêmes nous n'avons pas de sénateurs, il paraît que nous ne connaissons pas de députés qui peuvent attendre des créneaux. Nous ne connaissons pas si nous n'avons pas de sénateurs dans l'Ouest qui peuvent attendre des créneaux. Nous-mêmes, je dis, nous avons demandé l'État central, mais nous là, et que mes cris que nous avons passé, ça fait peine 230 ans, garder l'État peigné, et que nous avons une zone historique, eh bien, nous avons demandé c'est quoi avec l'État central pour nous permettre d'ouvrir les yeux sur nous. Parce que je dis, là, nous ne sommes pas là, nous ne sommes pas là, nous ne sommes pas là, nous ne encore. Parce que je dis, hein, c'est à plus en bail en pied bois, parce que pas de forestier encore dans la zone. La zone est laguée à lui-même, et que nous avons besoin de racines pivotantes. Et nous avons besoin de cerises, nous avons besoin de citron, c'est parce que nous avons carence en vitamine C, et nous avons besoin des arbres fruitiers qui ont besoin d'opportunités plus rapides. Mais c'est ça que je dis, hein, nous choisissons de manger la vie. C'est ça qui fait que nous avons utilisé semences, nous avons utilisé plantules pour nous bailler. Pour tout le monde qui a besoin de 2-3 pieds de plantes, la caillou, nous offrons la gratuite. Parce que l'année prochaine, c'est bien pour nous dire que nous commençons à faire. Bon, normalement, nous gagnons environ presque 1300 qui sont disponibles là, qui sont là. Ça veut dire que nous avons un programme là, divers que nous avons un programme là, c'était à 11h. Mais la population dit que nous avons tout le monde qui a participé. Nous avons un petit break pour faire la 2h30, 3h. Et bien c'est ça. Et pour raison ça que nous pouvons commencer, et c'est en préparation à faire pour nous commencer le programme là. Nous avons au moins 15 à 16 livres qui nous valent, des caisses de livres que nous allons distribuer là. Symboliser la paix, la vie et la santé, et les symboliser tout environnement. J'aimerais tout d'abord commencer, et je vous demanderai si vous voulez bien de vous lever, d'avoir une petite minute, une pensée pour nos frères et nos sœurs dans le sud qui ont été gravement frappés par ce qui s'est passé le 14 août et les jours qui ont suivi. Donc aujourd'hui, moi, c'est un plaisir d'être ici, d'être surtout à la verrière yucanaise. Pourquoi la verrière yucanaise en particulier? La verrière yucanaise a été durement touchée au mois de juillet, vous le savez tous, au Cap-Haïtien. Malgré qu'ils aient subi de gros dommages, aujourd'hui, vous le voyez, ils répondent de présent. Il n'y a pas que la Vallée Yucanaise qui est membre de la GERCA. La GERCA se mobilise. Il y a déjà beaucoup de membres qui ont donné, directement même à la DPC. Toutes ces aides vont aller, je dirais, vers les populations sinistrées. Aujourd'hui, le message qu'on veut passer, c'est que le secteur privé se mobilise. La GERCA n'est pas seule. Les chambres de commerce nous ont rejoints. Il y a déjà des gens de la diaspora qui nous rejoignent, de façon à ce que nous puissions, je dirais, essayer de cumuler le plus possible, non pas forcément en aide de première nécessité, parce que vous le voyez, l'aide arrive par tonne, par tonne, par tonne, par container. Nous allons aussi réfléchir sur ce que nous allons pouvoir faire dans une deuxième étape. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'enfants dans ces départements qui ont perdu un ami, un proche de la famille, qui sont blessés dans leur chair, blessés dans leur esprit. On va devoir tout faire pour aider ces jeunes gens qui ont aussi perdu leur école. L'école, c'est un symbole. C'est là où les jeunes se rassemblent pour apprendre. Ils ont tout perdu, ces enfants. On va devoir penser à eux. Et vite. C'est en gros le message que je voulais faire passer. Il viendra un moment où nous ferons un bilan de ce que le secteur privé a pu collecter, a pu distribuer. Aujourd'hui, ce n'est pas encore le moment. Aujourd'hui, nous sommes mobilisés. C'est ça le plus important. Et nous sommes mobilisés ensemble. J'encourage le plus de gens possible à se mettre ensemble, même si c'est en séparation. Je veux dire, la GERCA n'a pas aujourd'hui le privilège de vouloir tout collecter. Il peut y en avoir d'autres. Il y a d'ailleurs des individus qui collectent, qui ont des familles, qui ont été des familles proches ou amis, qui ont été touchés par cet événement, et qui vont aussi répondre personnellement. Il n'y a aucun problème. Par contre, si on peut se mettre ensemble pour construire quelque chose, donner un modèle aussi à l'international, que localement nous sommes en train de réagir, travailler sur un lendemain meilleur, c'est une bonne image que nous sommes en train de donner au pays. Ajaka qui est représentant du secteur privé dans le système national qui a géré l'ISAC des ASLA, donc mettez ensemble avec l'autre partenaire pour organiser un ensemble de collectes, de dons, que nous avons collectés dans plusieurs points de collecte que nous avons dans le pays, que nous allons partager avec nous, tout à l'heure comme ça. Donc, mais tout d'abord, nous voulons remercier plusieurs entreprises qui sont en bas ici pour parler dans le cadre de collecte de dons que nous avons fait.
Parmi eux, nous avons Kouligan, EIC, Brana, MACPA, Cominfo, Digicel, Valerio Canez, Kassami, Industrie Saint-Miguel, Ecodepo, Séjourné, Qualité Shoring. Donc, qui c'est un ensemble d'entreprises qui est en bail déjà et jusqu'à présent, on a continué à collecter, que nous avons gagné une liste complète avec que nous finissons collecter. Et ensuite, pour les collègues que nous avons, nous pouvons partager avec nous pour que le public la connaisse et l'autre entreprise capable de partager ça que nous avons. Qui c'est Bureau de Série qui est dans 10 jours. Donc, les que nous capable de passer, c'est lundi, vendredi 10h, 4h et puis samedi 10h, 16h, qui c'est 4h. Et puis, nous avons un pack historique Canassic et lundi jusqu'à vendredi 8h, 16h et puis samedi, dimanche 8h jusqu'à 10h. Internegos qui est trouvé sur l'aéroport, rue Jean-Gilles numéro 16. Lundi, vendredi, 8h, 16h, 4h. Et ensuite, nous avons Radio Télé-Guinée qui trouve Delma 31, qui c'est tous les jours nous capable passer, qui sortit 8h, arrivé 7h. Nous avons Chambre franco-haïtienne qui trouve Pétionville dans Rigoula numéro 5, que nous capable passer lundi, arrivé vendredi, sortit 8h pour arriver 16h. Et ensuite, nous avons Compass qui trouve dans Pétionville rue Métélis, dans numéro 35, que tout le monde capable passer, sortit lundi pour arriver vendredi, sortit 8h pour arriver 4h. Et ensuite, ça que nous avons fait, c'est que nous avons encouragé l'acte humanitaire pour que vous passiez avec l'entreprise locale. Ça veut dire, si toutefois, vous avez acheté des produits, donc nous encourageons que acheter des produits locaux, ça va permettre que nous encourager l'économie suite avec la situation de crise que nous avons confrontée. Mesdames et Messieurs, qui gens ont senti souffrance là? Vous connaissez des sinistres dernièrement, vous connaissez ça fait les perdus. C'est ça qui fait la fait mouvement jeune capable mobiliser l'autre pour que nous capable de bailler tout pour aider frère nous côté yoyé. Nous mêmes nous pas servir avec une stratégie qui modeste, nous pas faire gros convoi parce que nous connaissons ces employés qui prend le côté nous dérapé là. Donc nous connaissons que bientôt nous allons aller, autorité locale a connu la vie, direction protection civile a connu le côté nous aller, parce que l'important en pile, non, pile côté qu'a dit on va joindre. Donc l'important pour nous une liste, pour protection civile, une liste côté qui joigne, pour que l'homme nous aller, là les côtés pas gagner. Ça est important en pile. On tient compte de ça, on baille donner au côté de nous bailler. Pour que le cas cherche qui côté il doit aller. Douleur en pile. Je dis à, après, on donne des faits dans le transfusion sanguine pour chaque département, dans le jour de Codia. Je dis à, nous préparons un petit bagage pour 500 personnes. Il y a une portion qui travaille avec employés, avec mairie, il y a une portion qui travaille avec des distributeurs ou des revendeurs que nous gagnons. Le terrain. Donc au fur et à mesure, on a continué à mobiliser. Son premier petit pas que nous commençons semaine ça. Semaine prochaine, nous espérons que tout employé va aller au Canada à côté. Il y a un bagage pour mettre pour nous. Chaque monde, quel que soit le niveau, il faut nous mettre un bagage pour le monde qui perd. Il faut nous joindre un bagage. Il faut nous continuer à payer. Donc nous profiter. Pour dit toute entreprise, mettez-les, pas petit pas chiche, ok? Même si les entreprises ne sont pas en pile, même si c'est petite entreprise, rentrez dans le mouvement, collectez, côté le bail, côté qui suit, qui a pu faire vous joindre à nous. Ok, nous pouvons agir quand il y a plusieurs points. Nous ne devons pas qu'on agir quand mais moi-même, je fréquente depuis 10 ans, depuis le tremblement de terre. Et nous connaissons que nous toujours un rapport avec les directions de protection civile, nous avons toujours un rapport sur ce que ça a fait. Nous avons fait mobilisation de certains côtés dans l'école, nous allons continuer à faire. Donc, fais confiance, on travaille ensemble. Nous gagnons l'histoire, côté d'Abralé, nous pas météo, mais nous connaissons les deux côtés dans le sud, et un côté dans l'île et un côté dans le Grandas, ou comme ça. Nous avons pris là, nous avons des petits sacs, nous avons des grands sacs, nous avons des savons, nous avons des médicaments que nous avons mal fait. Nous avons des clous, ok, on caisse pour une zone qui va aller à clous, 40 000 clous et bois.
pour que le monde soit capable de jouer en répit, nous connaissons un employé qui va travailler sur un paquet de bagailles. Et puis, nous gagnons des bagailles pour direction et protection civile dans la zone. Tant pour radio, tant pour lumière et solaire, pour 4 ou 4 côtés. Nous avons des mégaphones qui étaient très difficiles pour jouer. Donc, nous avons des draps, nous avons des piles de draps. Nous avons à peu près 500 prix là pour distribution ça. Et nous avons des piles de draps. Ok? Alors, nous avons continué. Il y a des zones qui ont un petit peu de rejoignent. Parfois, il y a une différence. Ok? En différentes zones. Yo. Et nous mettons pour direction, protection civile, quelques centimètres pour être capable de prendre mesure si on vient pour faire le vie. Ok? Donc, des bagages utiles. Moi, toujours, et moi, dis direction Valéo-Canaise, merci. Parce que à chaque fois que moi dis que on fait un bagage, et on toujours côté moi. Et ça, c'est un point fort là, Kayo. Et Canaise, nous toujours voulons aider. Nous pas aider, nous nous connaissons seulement. Nous aider, même nous nous pas connaissons. C'est ça qui gagne dans Canaise. Nous sommes une famille. Et nous voulons aider tout le monde. Je vais commencer par présenter sympathie à tout le monde ici. Pour l'autre bord de l'eau qui perdit un membre dans la famille ou dans la tragédie 14 d'août passé. Jeudi a fait exactement un mois depuis moi installé dans tête ministère haïtien qui vivent à l'étranger. Moi te pensé li important pour me rencontrer nous dans jour ça d'autant gain yon ensemble événement qui passait dans intervalle temps ça. Jean nous connaît déjà samedi qui était 14 d'août passé. La terre a tremblé dans le pays d'Haïti et puis fait gros dégâts dans le grand site. Sous leadership Dr. Ariel Henry, le gouvernement a adopté Mézi et puis posé diverses actions pour porter secours à les victimes. Dans le niveau pas nous comme ministre diaspora, nous avons d'abord pris quelques Mézi pour permettre diaspora de jouer des informations sur les proches qui vivent dans la zone site. Par exemple, nous réactiver cellule Mavale Koutla côté nous té décrété en permanence pour permettre diaspora gain information sur situation dans grand site là. Ensuite, nous té préparé et puis voyer by principal organisation yo dans diaspora, yo note côté nous expliquer au clairement, c'est seule protection civile comme institution l'état qui gain charge coordonnée et gérer aide pour victimes. Enfin, sous instruction Premier ministre, nous avons organisé une rencontre par visioconférence à plus de 100 représentants associations et fédérations dans la diaspora. Une façon pour nous mettre campé, un sous-comité Capgain représentant le comité multisectoriel Capgain pour assurer gestion à coordination aide pour victimes. C'est dans ce sens que aujourd'hui, nous avons rendu public une dizaine d'organisations dans la diaspora qui forment ce comité. Il y a bien pour choisir les représentants et envoyer dans le comité multisectoriel dans le jour qui vient là. L'organisation a été désignée sous base représentative, secteur intervention, et puis sens initiative yo. Mais non organisation qui forme sous-comité ça. Coalition of Asian Diaspora Organizations, CODA, Fondation Zile, SOS Haïti Chili, Intégration de la Diaspora pour l'émergence d'une nouvelle Haïti, Asian Diaspora Resources Worldwide, Association des médecins haïtiens de l'étranger, Fédération haïtienne de la diaspora, Réseau national des élus haïtiano-américains. Voilà l'organisation qui a bien pour former sous-comité. Nous avons continué à discuter avec eux sous modalité pour désigner les représentants qui font partie du comité multisectoriel. Nous avons demandé à l'association diaspora de continuer à mobiliser force pour porter solidarité aux victimes de tremblement et de tempête tropicale qui frappait le grand sud pays. N'a profité de signaler pour tout le monde si une organisation ou bien une association dans la diaspora veut porter bourrade par la population dans le grand sud là,
gagné une liste besoin gouvernement déjà préparé pour acheminer liste ça déjà by toute organisation dans diaspora. C'est dans liste ça va checker pour connait qui ça va porter. Nous-mêmes n'a orienté vers direction protection civile, celle entité l'État qui l'a pour coordonner aide pour victimes. Protection civile déjà gagné une adresse mail à numéro téléphone qui est disponible pour contact. N'a joignio dans document équipe communication remettre nous pendant n'a rentré là. M'a fini pour me dire MAF pas recevoir ni don en espèce ni en acte n'a mais aucune organisation ni association dans diaspora. Aucune organisation ni fédération dans diaspora pa gen leadership pour coordonner les affaires aide pour victimes. Tout contact yo a passé par ministère kap gen pour orienter yo vers direction protection civile. Voilà, et merci avec tout le monde qui était branché pour te cap tande des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'ai branché. Pas oublier vous abonner avec chaîne là et toujours songer pour activer petite cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin, bon matinée.